Voilà, ça c'est fait. Parfait. Non, non, tu m'as... T'as rien vu. Putain, il fait chier ce Linel de merde. Du coup, je peux même pas l'avoir, lui. Allez, là. C'est quoi, tu veux te la jouer avec l'arc? C'est quoi, moi, je suis encore plus puissant que toi. Allez. C'est pas grave. Faut juste avoir de la chance. Chose que j'aurais jamais, mais... Allez, hop, voilà, l'arc en moins. Ouh, putain, c'était chaud. C'était chaud. Bref, nous allons récupérer... Alors ça, ça va bientôt casser, donc malheureusement, ça va se briser, voilà. Nous allons récupérer ça. Et nous allons brûler ça. D'accord. Bien. On commence bien. Allez. Mais putain, mais what the fuck. Mais le feu au truc. Parfait. Du coup, on va quand même se soigner un petit peu. Et on va se soigner avec des pommes, parce que là, on commence à... Ah non, ou avec de la venaison. Voilà, nous en avons plein. Pomme grillée et pomme gland grillée, parfait. Allez, go! Ah non, attendez, c'est vrai qu'il y a ça. Alors, attendez, ça, je sais que ça, c'est bâtard, donc on va faire un truc. On va faire un truc. Aouh! Merde. Non, pas les abeilles. Parfait. Rayon de miel enduro, 2 cœurs. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations pour en relever le goût, ces derniers vous redonneront de l'assurance. Nickel. Bon. Parfait. Alors là, il n'y avait rien. Hein. On se souvient dans la partie... dans l'autre partie. Champion enduro. On a bien aperçu le shrine. Parfait. Alors, on va s'occuper de ce petit camp. Alors, vous avez vu qu'il y en a un. Il y en a plus. Oh putain, il y en a trop. Alors, on fait quoi? On y va ou on y va pas? Je suis partant, moi. Il faut pas tous les attirer d'un coup, c'est une grosse connerie sinon. Il faut les attirer d'un coup. Il faut attirer lui en premier. Oui. On est là. Du coup, on va se déplacer. Merde. Bon, là. Un par un. Wow. Hop. Allez. Aïe. Aïe. Oui, les amis, nous avons tous eu. Oh, c'était chaud.
Il fallait de la technique, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé. C'était chaud. Il fallait un petit peu de technique quand même, hein. Ah, bref. Bon, nous allons faire cuire les champignons, nous allons faire cuire un peu tout ce qu'on a ici. On va... Bon, l'arc, ça sert à rien. Du coup, on va récupérer le gigot. Viande grillée, 1,5 cœur. La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et en augmente ses capacités régénératives en énergie vitale. C'est parfait. On va récupérer le petit coffre de camp. Javelot. 6 d'attaque conçue pour transpercer les cibles distantes. Cette arme possède une portée surpuissante, celle des lances conventionnelles, grâce à l'excellent équilibre entre la hampe et le fer. Du coup, on va enlever le, donc on va enlever l'épée, c'est là. Parfait. 6 attaques, c'est nickel. Du coup, on va prendre une massue. On va prendre celui-là, ce serait mieux. Du coup, champignon grillé, 3/4 cœur. Ce champignon grillé à l'arôme et au goût enrichi par la cuisson restaure l'énergie vitale en plus grande quantité. Champignon d'eau grillé, 3/4 cœur. Ce champignon grillé dont le seul effet est de restaurer l'énergie vitale est en meilleur cuisinier. Ou juste pour l'avoir, voilà, pour le 100%. Champignon d'Euro, 1/2 cœur. Ce champignon vert qui pousse près des arbres regorge de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient que vos préparations vous rendent d'endurance. Cinq flèches explosives. Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact, elle inflige de gros dégâts aux alentours. D'accord. Du coup, on va prendre ça et nous allons... Parfait. Ouh, pas mal de bons petits plats. Pommes grillées. Nickel. Bon. Les amis, on va se rendre au camp. On va se rendre au camp, puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que là, ça commence à durer un peu. Ah, je crois que c'était un autre... Merci. Merci. Attendez. Parfait. Merde. Hop, on va faire ça. Fagot de bois. Facile à transporter, ce fagot fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. Allez, on va se rendre ici à présent. Oh oh oh. Alors, je crois qu'il y a un truc à faire avec les ingrédients. Je sais plus c'est quoi par contre. Je crois que c'est prendre, non, prendre, ensuite je crois que c'est venaison, et je crois que c'est un champignon. Je crois que c'est ça. Criade terre-mère, il manque le piment. Un plat, 5 heures, un plat consistant qui réunit le meilleur de la terre et de la mer. Ok, il manque bien ce que je pensais. Il manque bien ce que je pensais, putain. Je l'ai même pas récupéré, si j'ai même pas récupéré de piment, quoi. J'ai aucun piment dans le truc. Si j'en ai un. Donc, terre. On va prendre.
Glyntermer Pic-Pic. Alors, ça résiste 4 minutes de résistance de froid, 6 coeurs, améliore la résistance au froid niveau 1, un plat consistant qui réunit le meilleur de la terre et de la mer. Hop. Merde, mon truc, parfait là. Parfait. Ça, c'est nickel. Je préfère faire ça, comme ça au moins ça nous régène beaucoup plus. Fourche, 7 attaques. Cet outil agricole à 4 dents, arc serré, est conçu pour ramasser le foin. Et un tour de main, il est si léger que n'importe qui peut l'utiliser. Attends, je peux jeter en gros ça. Allez, c'est reparti. On va prendre la petite torche. Autour du camp pour chercher les petits matériaux. Enfin, en tout cas, les petits trucs. Les petits champis. Allez, d'accord, y a rien du tout ici. Couvercle de marmite, 1 de dégâts, enfin 1 de défense. Allié de toujours des cuisiniers en herbe, ce couvercle de marmite fait un petit bouclier malgré le bois robuste dans lequel il a été fabriqué. Oh oh oh, encore toi? Que fais-tu ici? Je suis un peu fatigué. Cette petite pause après du feu va me faire du plus grand bien. Tu as faim, mon garçon? Tu peux utiliser ma marmite si tu veux préparer quelque chose. J'ai préparé un plat. Mais qu'est-ce que... Oh, ça alors, on dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délice de grillade mer terre pic-pic. Comment as-tu? Après tout, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans? Oh, mais bien sûr, une perche d'aérule, évidemment. Bon travail, mon garçon. Ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense. Prends ce doublé. Doublé. Une défense anti-froid. Les habitants des montagnes affectionnent tout particulièrement cet habit chaud dont l'étoffe élégante et épais conserve bien la chaleur. Avec cet habit sur le dos, tu pourras supporter le climat rigoureux. Quant à moi, ma petite recette de thermère pic-pic suffit pour me tenir au chaud, même sans me doubler. Parfait. On dirait un journal du vieil homme. Lire. Je n'en reviens toujours pas. Un jeune garçon a réussi à préparer mon plat de gréat ternaire pic-pic. Il a bien mérité mon doublé. Je sens que cet enfant est promis à être un brillant avenir. Continue à lire. Je ne ferai pas deux fois la même erreur. Je vais consigner ma recette ici avant de l'oublier à nouveau. Ainsi donc, une pièce de venaison et du piment, une perche d'aérule, laisse cuire le tout dans un récipient. Encore un fâcheux oublié de ma part. La chaleur intérieure que procure mon plat ne dure qu'un temps limité. Je commence à regretter de m'être défait de mon doublé. Arrêtez de lire, d'accord. Piment. Du coup, attendez.
Parfait. Bon, les amis, on va récupérer le petit con au goût, puis on va s'arrêter là. Oula. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Examinez. Non, une fête, tu vas trouver une encore au goût. Cette petite dent que vous a donné encore au goût, c'est un peu fin, mais il paraît qu'en trouver beaucoup pour très bonheur. Alors, voyure, alors, voyure. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on se rendra, on récupérera ce qui, voilà, là-bas, nous avons plein de champi-tempo. Puis après, on ira s'y rendre au sanctuaire qui se situe tout en haut. Puis après, voilà, on improvisera. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en remercie de l'avoir regardé. On se dit donc à très vite pour de prochaines vidéos. Merci de l'avoir vraiment encore apprécié. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et peace!